Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto PASS dans PES 2015. Ça va pas être facile de tout résumer en 4 minutes parce qu'il y a beaucoup de subtilités dans les passes. Donc je vais vous présenter ce qui existe comme passe et essayer de vous donner 2-3 petits trucs pour vous aider dans vos parties contre l'ordinateur ou contre les humains en ligne. Donc premier truc au niveau des stats, il faut regarder passe à terre, passe lobée et effet. Avec des joueurs comme Zhao Jun avec des stats à 55, ça va être un peu plus difficile de réussir vos passes, mais vous pouvez quand même essayer. Je vous ai mis mes réglages, je vous conseille de passer en basique au niveau des passes en profondeur et des tirs. Allez, c'est parti, on commence le tuto par la passe au sol. Donc là, tout le monde la connaît, vous appuyez sur croix. C'est le geste et la passe la plus simple du jeu, mais c'est la plus subtile, c'est la passe où il y a le plus de choses à dire. Alors, ce qu'on dit généralement, c'est que quand vous remplissez la jauge à 25%, vous atteignez un joueur qui est proche, 50% un joueur à moyenne distance et 100% les joueurs les plus éloignés. La qualité de la passe courte va dépendre de la position du corps du joueur, mais aussi des stats du joueur bien sûr, mais ça se vérifie pour toutes les passes. Bien sûr, des joueurs comme Iniesta ou Xavi ou Pirlo, vous réalisez des passes courtes dans n'importe quelle position et quelle que soit la pression du défenseur. Les passes hautes tendues, donc vous appuyez sur rond. Plus vous appuyez sur rond, bien sûr, plus le ballon va loin. Donc je vous conseille de ne pas appuyer sur rond en remplissant la jauge au maximum, sinon le ballon va aller en touche. Ce sont, à mon sens, des passes qui doivent être utilisées pour changer d'aile, pour les transversales. On va voir juste après qu'il y a d'autres passes qui sont plus utiles pour attaquer, mais pour changer d'aile, ce sont celles-là que vous devez utiliser. On y vient, la passe lobée, c'est la même chose, sauf que vous appuyez sur R2. Donc vous appuyez sur R2 et rond, et le ballon va être plus haut, donc plus lobé, comme ici. Et ce sont des passes, comme vous le voyez là avec Van Persie, qui doivent être utilisées pour aller chercher des joueurs de la tête. Donc ici, j'ai utilisé rond et R2, la passe lobée, pour aller trouver la tête de Van Persie et pour me créer de l'espace devant. Donc pour moi, ça sert à ça, ces passes-là. Les transversales, c'est rond. Et les passes lobées comme ça pour chercher les joueurs de la tête, c'est R2 et rond. On passe à la passe au profondeur, on passe à la passe, la passe en profondeur, donc là tout le monde la connaît, on appuie sur triangle et on va aller chercher en profondeur un attaquant, donc c'est des passes qui sont primordiales pour vos attaques, donc c'est des passes à utiliser dans la moitié de surface adverse bien sûr. Donc il faut bien surveiller les appels de vos attaquants, dès que vous voyez qu'un attaquant fait un appel manuel ou pas et que vous sentez que le défenseur est statique ou qui a de l'espace, il faut lui mettre un ballon, que ce soit en terre ou à l'air, ça vous verrez sur le moment. Donc les passes en profondeur, en l'air, ça existe aussi, et c'est très utilisé sur le réseau online, et surtout pour les anciens joueurs de FIFA, donc c'est L1 triangle, et c'est encore plus efficace quand vous faites un appel manuel, comme je viens de le montrer, avec L1 et un petit coup d'analogique droit. Donc les passes en profondeur sont à privilégier quand il y a de l'espace devant. Ici, j'aurais dû la mettre plutôt sur l'aile gauche, tout là-bas, en l'air, plutôt que de la mettre sur l'attaquant, parce que le défenseur, vous voyez, il suit l'appel de l'attaquant. Donc en plus, elle a été contrée par un autre défenseur. Mais même si elle passait, je pense que le défenseur qui suivait l'attaquant aurait récupéré le ballon. Là, vous voyez, la passe en profondeur en l'air, elle est utile. Pourquoi? Parce que Varane, il reste planté. La défense, elle restait plantée. Donc du coup, Falcao, il avait 5 mètres de retard. Et maintenant, il a 5 mètres d'avance sur Varane. Et il peut finir l'action derrière. Avec un joli piqué d'ailleurs. Là vous voyez que face à Dav, je fais un bon appel avec Vice et j'ai pu le toucher qu'avec un L1 triangle. Sinon j'aurais pas pu avec une passe à ras de terre. La passe manuelle, donc vous appuyez sur L2 et l'analogique gauche. L'analogique gauche va faire apparaître une flèche. Et avec la flèche, vous allez pouvoir mettre le ballon exactement là où vous voulez. Donc c'est une passe qui est un peu particulière, il n'y a aucune assistance. Moi personnellement, je ne l'utilise pas parce que je ne la maîtrise pas assez. Mais si vous maîtrisez cette passe, ça peut vraiment vous être utile. La fin de passe qui pour moi est utilisée en défense. Quand vous avez un attaquant qui vous presse, donc vous faites rond puis croix comme une feinte de frappe classique. Ça peut être très utile. Le 1-2, d'ailleurs j'en viens d'en faire un avec un attaquant sans faire exprès. Le 1-2, vous appuyez sur L1 et croix. En faisant L1, le joueur va faire un appel et derrière vous pouvez lui mettre. Il y a aussi la variante L1 croix pour faire la passe et L1 triangle qui peut être très utile, donc un 1-2 aérien. Donc c'est vraiment, les 1-2, il faut vraiment en user et en abuser dans le jeu parce qu'en faisant des 1-2, ça crée du mouvement et de l'espace dans la défense. Enfin le 1-2 dynamique, donc là vous faites un 1-2 classique sauf que vous appuyez sur L1, vous restez appuyé sur L1 et avec l'analogique droit vous allez contrôler le joueur qui a fait la passe. Ça permet de faire des 1-2 qui sont pas tout droits. En fait vous allez contrôler le joueur qui a fait la passe et vous allez pouvoir aller ailleurs que tout droit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que je vous ai appris 2-3 petits trucs, on se retrouve bientôt. A plus.